Bonjour tout le monde, et bien voilà, on se retrouve donc pour la présentation de la Cute Box de février. Première box pour moi. Donc la Cute Box, c'est une box kawaii, donc en fait avec composée de produits japonais en fonction d'un thème. Voilà, je vais vous la présenter. Donc celle de février, le thème c'était sur la papeterie. Donc en fait c'est tous des articles donc sur la papeterie, donc des carnets, des stylos, etc., des règles, enfin différentes sortes d'objets venant du Japon. Donc elle se présente comme ça. Donc en fait livrée en colissimo, donc c'est une box à 24,90 € frais de port compris. Donc c'est sans abonnement, on va dire. En fait, donc tous les mois, elle est proposée, vous la prenez pas, donc en fonction du thème. Et il propose donc que sur le site, il montre aussi quelques objets que la box va contenir. Donc je vous mettrai en lien, en barre d'infos, donc l'adresse du site si ça vous intéresse. Et voilà, donc on reconnaît, il y a un tout petit lapin rose sur la box, c'est fort mignon. Donc je l'ai ouvert parce que je ne sais pas trop comment ça s'ouvrait, hein, c'est la première pour moi. Donc voilà, c'est dans une petite boîte, donc il y a le petit carton avec le menu. Et donc le contenu qui est en fait, le contenu apparemment qui est dans une trousse. Donc on va voir tout de suite. Donc le menu, donc voilà, c'est très, très kawaii, pardon. Donc voilà, c'est 100% papeterie. Donc voici le menu. Donc c'est très rigolo parce qu'en fait le menu c'est avec des petits dessins. Donc il y a le descriptif de ce qu'il y a dans la box avec donc les petits dessins qui font très très japonais. Représentant un peu les articles qu'il peut y avoir. Donc eh bien, c'est parti, découvrons donc. Donc, qu'est-ce que je vois? Il y a dans la box, il y a une trousse à format A5. Donc, en fait, la trousse, c'est le contenant des produits qu'il peut y avoir dedans. Donc, voilà. Donc, petite trousse rigolote avec un espèce de grillage derrière. Donc, on va l'ouvrir. Et donc, je vais vider la trousse. Donc voici la trousse en mieux, voilà. Hop, et donc grillage derrière. Donc elle est rigolote. Et donc ensuite nous avons donc, alors je vais suivre le menu hein, tant qu'à faire, ce sera plus simple. Donc nous avons un agenda dans sa boîte cartonnée. Donc je suppose que c'est ça. Yesterday and today always smile. Donc my happy story. Donc voilà. Donc là, c'est un agenda. Donc la boîte. Ah, un agenda qui est couvert en plastique. Donc, on peut y mettre son planning. Donc voilà, qui se présente de cette façon. Donc les semaines, je vous présente un peu mieux. Alors je suis désolée pour la luminosité, il fait un peu sombre. Je fais la vidéo tard le soir. Mais bon, je pensais pas que ça gêne. Je pense pas que ça gêne. Ça gêne pour la présentation de cette box. Donc voilà, il y a différentes pages, etc. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de semaines ni de jours. Donc en fait, je pense qu'il est intemporel. Et donc du coup, voilà, en différentes couleurs. Enfin, c'est jaune ou sombre, couleur orangée comme ça. Donc voilà. Bon, c'est plutôt rigolo. Pas mal comme petit agenda. Donc ensuite, nous avons un set de stickers pour agenda. Ah. Donc je pense que c'est ça, un set de petits stickers pour agenda. Donc ça doit être ça. Donc plein de petits stickers. Tout rigolo. Donc là, voilà, il y en a des deux côtés. Donc, ils sont bien, bien rigolos, avec des petits singes, des petits hamsters. Donc, bien, bien rigolos.
à coller un peu partout sur les pages, je pense. Un porte-carte transparent. Ah, donc voici donc un porte-carte. Vous pouvez glisser une carte bancaire, etc. Donc un porte-carte transparent. Voilà. Donc voilà, à côté. Très, très gourmand. Des petits ours. Sweet cake. Ensuite, un strap surligneur Miffy. Ça doit être ça, le strap surligneur Miffy. Voilà, le surligneur Miffy. Que je vous présente dans le bon sens. Je vais pas y arriver. Voilà. Le petit. Ça peut être pratique, hein, c'est un porte-clés ou etc. Hop, on a toujours son petit surligneur sur soi. C'est rigolo. C'est rigolo. Deux mini-règles transparentes animaux. Alors, une règle. Alors, petit lapin et petit ours. Voilà, deux petites règles. Donc CD, ça va jusqu'à 12. Ça va jusqu'à 12. Je pense que les deux vont jusqu'à 12. Donc ça va jusqu'à 12. Voilà. C'est rigolo. C'est rigolo. Donc une petite règle. Un bloc de post-it. Ça doit être ça, le bloc de post-it en forme de chat. Ah, un bloc de post-it. On peut même écrire des choses, c'est sympa. Donc vous voyez un exemple sur un agenda, on peut coller donc à l'intérieur, ce qui est pas bête. Ensuite, un bloc de post-it, un set de mini marque-page post-it. Ah oui, c'est rigolo, ça me fait penser à une autre box où on avait eu un agenda au mois de janvier avec des post-it ce même jour pour l'agenda. Donc voilà, alors ça c'est super rigolo. Donc là je suis... Ouais, c'est super sympa. Donc hop, des petits exemples derrière. Donc c'est super rigolo. Un critérium. Donc joli petit critérium. Happy, Made in China. On va pas faire la mise au point. Voilà, un critérium. C'est un critérium, hein. Rien d'exceptionnel, c'est juste qu'il est, il est rigolo. Je sais pas combien de fois j'aurais dit rigolo ou mignon dans la vidéo. Une gomme sucette. Ah ouais, excellent. Oh. Et ça, c'est une gomme. Donc ça, c'est une gomme. Excellent. Voilà. Oh, ça, c'est rigolo, ça. Ça, c'est super rigolo. Excellent. Excellent. Un tampon encreur. Alors, ah, j'ai moi le... J'ai un papillon en tampon encreur. Un stylo peluche. Bon, ça par contre, ça fait un petit peu trop. Ah oui, c'est un stylo. Bon, un petit peu trop choupi, girly pour moi. Peut-être pas abusé quand même. Donc ça, une de mes nièces sera sûrement contente de l'avoir. Mais voilà. Une petite. Et donc le dernier, c'était donc la trousse que je vous ai présentée en premier. Voilà. Donc plein de petits objets bien rigolos donc, qui vont me servir sur la papeterie. Donc bon, première box pour moi, c'est choupinou. Après, c'est quand même 24,90€. C'est pas donné. Hein. Mais bon, voilà, c'est très kawaii. Après, il faut voir les thèmes des mois suivants.
Après, oui, il faut voir. Donc, je ne prendrai peut-être pas tous les mois, mais de temps en temps, voilà, pour rigoler, ça peut être sympa. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, si elle vous tente, ou pas. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine box. Ciao!